Nova Bookbox. Parfois, il suffit d'une page. Et celle qu'on préfère, c'est la 111. Parce qu'un bon livre, ouvert à n'importe quelle page, doit pouvoir intriguer, amuser, choquer, attrister, réjouir ou tourmenter son lecteur. Et parce qu'à la page 111 de la pièce de théâtre Rhinocéros d'Eugène Ionesco, on trouve ces deux mots magiques. Pourquoi pas ? Il s'agit d'examiner attentivement toutes les pages 111 de tous les romans écrits en langue française et publiés dans notre beau pays en cette rentrée littéraire. C'est-à-dire, entre la fin du mois d'août et aujourd'hui, en considérant, et c'est très important, cette page 111 comme une œuvre d'art à part entière. Tout est en place. Les paupières tremblent, les mains suent, les pages font du tapage. Qu'elle a perdu la boussole et tous ses points cardinaux. Maintenant que, paumée au fond des bois, elle a les fois échoué ce soir en pleine cambrousse de Clue Lake, qui n'existe même pas en tant que petit pois sur sa carte folle, avec sur la conscience un crime de sang qui lui rongera la rate, l'âme et le pancréas. Bien fait! Et au moment où tout le monde se dit, c'est bien, on a notre compte, et ben là elle fait, tu sais pas que j'ai été artiste au couteau dans un cirque, quoi? Et là j'ai l'impression vraiment, tu vois, j'ai envie de lui faire pas l'amour, mais de lui offrir un verre. Tu vois. Alors moi qui suis breton, légumes croquants quoi, un peu. J'ai, voilà, j'ai trouvé que c'était une page magnifique, mais en même temps il y avait beaucoup de choses. Vous avez commencé par dire moi qui suis un peu breton. Je termine. Ah oui. J'avais l'impression. Non, allez-y, je vais vous laisser terminer, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est comme une galette complète. Pour vivre, grandir, aimer, transmettre, et au bout, mourir avec le bonheur d'avoir accompli un destin. Il s'agit de détourner la jeunesse, de la dérouter, de la rendre incapable, de lui enlever toute sa force. Et j'aime bien cette idée, voilà. Enlevons sa force à la jeunesse, baissons les bras, imposons à la jeunesse... De ne rien faire. Voilà. Ratez votre vie. On en a un peu marre, là, de cet enthousiasme, de ces grands départs, de cet espoir. Brisons la société. Ici, j'ai pas à prendre la tête avec ça. Les gens, c'est tous des miroirs. Tu passes ta vie avec des miroirs. Les gens, ils te matent. Ils contrôlent ton aspect, les papiers, t'as fait quoi, t'étais où? T'es jamais comme il faut. Je peux pas changer de gueule, changer de passé, là-bas, c'est impossible. Sur le haut du rocher, un arbuste rougit et l'argenté brûle et tombe et le sol s'émousse. Quelque chose se métamorphose. J'y crois pas, putain, y a un mouton! Ah, j'ai eu peur, le bruit! Trois fois la fin du monde, une page en trois parties très nettes, le poids de la société, une promenade en milieu rural, et puis une apparition, putain, il y a un mouton. Et puis en fait au milieu, on fait, ah ouais non, en fait on va plutôt partir sur un truc bucolique, une pastorale un peu sympa, elle est bien, c'est réussi, et puis à la fin en fait elle fait, non mais tu sais ce que je vais faire, je vais bien les enculer en fait, je vais leur mettre une scène avec un mouton, et ils vont kiffer l'histoire du mouton. C'est-à-dire que, je fais, waouh. Là, on a putain avec un P majuscule. Dans un bois, et puis qui écrit des très belles phrases, qui rencontre un mouton, mais pour moi ça fait pas une page 111 quoi. Ceci ressort des pages 111, voilà. On boit toujours beaucoup d'alcool dans les pages 111. Cette année, on boit aussi beaucoup de tisane, beaucoup plus que les années précédentes. Plus de thé que de café, c'est la première année. Et il y a un petit mystère. À un moment, il y a un sanglier qui boit de l'eau dans une mare, mais à aucun moment dans les 222 pages qu'on a, à aucun moment, un humain ne boit de l'eau. Arcadie me force à m'allonger la tête dans son giron. Tu sens ? Quoi ? Je bande. Tu me fais bander. Ah bon ? La suite page 112. On en a discuté dimanche soir tous ensemble. Je sais pas comment cette page est arrivée là, j'en ai aucune idée. Il ne faut pas nier l'importance du sexe triste dans nos vies. Parce que vous avez l'air là, vous faites vos... Ça s'applaudit, c'est vrai. Qui n'a pas vécu des parties de sexe triste ici? C'est un sexe qui bande, c'est pas du sexe. En fait, moi je suis très embêtée parce que il surgit en plein milieu de la page, alors que le début commençait pas trop mal. C'est-à-dire que il y a une espèce de... Je vais refaire le geste. Le mou, voilà, c'est, le médiocre. On est ni dans le désir, ni dans le non-désir, on est dans l'hésitation du désir. On est dans cet espace qui finalement est aussi assez réconfortant, où on bande, mais ça ne fait rien. Le dernier d'entre tous, car ensuite, le chemin n'eut plus de mauvais comportement. Une ligne droite sans embûche. Kotick et Piotr se croyaient sur l'allée terminale conduisant au monastère. On est chez Beckett, il y a deux personnages de Beckett qui sont perdus dans la lande, on sait pas trop si c'est en Russie ou ailleurs, sur une île, en mouvement, et c'est très beau, quoi. C'est pas grave de pas tout comprendre, c'est l'anti-Bayamaktam, quoi. Tu as vu la caricature dans Charlie Hebdo? Ils ont représenté les morts du tremblement de terre en Italie, écrabouillés en lasagne. Est-ce que vous pourriez annoncer qui a gagné le prix de la page 111, édition 2018? Alors, le prix
de la page 111, édition 2018, revient à Sophie Divry pour 3 fois la fin du monde aux éditions Noir sur Blanc. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et pour remettre ce prix... Je ne suis malheureusement pas Sophie Divry. Quoi ? Ah ! Édition Patrice ! Je suis désolée, Sophie Divry est retenue à Lyon. Un dégât des eaux. Prévu. Un très très grand merci à toute l'équipe de la Grande Fantaisie ! Nova Bookbox.